Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter la recette des rouleaux de printemps. Donc pour ce faire, il nous faudra des galettes de riz, un poulet, enfin une escalope de poulet, des crevettes. Là j'ai un demi-concombre que j'ai déjà coupé en lamelles, donc une carotte que j'ai déjà râpée, des pousses de soja, de la menthe, du vermicelle de riz et de la salade Batavia. Donc les ingrédients seront mis en dessous de la description comme d'habitude. Donc pour ce faire, je vais déjà pocher donc l'escalope de poulet dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Donc je reviens après et en même temps je vais faire cuire les vermicelles de riz pendant 5 minutes. Je reviens après. Donc pour pocher l'escalope de poulet, il suffit juste donc de mettre un peu de gros sel. Et donc d'escalope de poulet. Et donc on va cuire ça pendant 15 minutes. On se retrouve donc après. Donc voilà, on se retrouve donc après la cuisson des pâtes de riz là, et du poulet. Donc là, je vais découper le poulet en lamelles ainsi que les crevettes. Je vais les couper en deux et enlever donc le boyau qui se trouve au milieu. Donc toute cette partie-là, il faut l'enlever. Donc je fais ça pour toutes les crevettes. Et je vais donc découper en lamelles toute l'escalope et je reviens après. Donc on va passer à la confection du rouleau de printemps. Donc pour ce faire, on va prendre de l'eau chaude. Donc on va mouiller donc la galette de riz. On va mettre sur notre planche. Voilà. Donc, on va y mettre une feuille de Batavia. Ensuite, on va y mettre des petites tranches de poulet. Puis un peu de carottes, un peu de vermicelle, enfin de vermicelle de riz, un peu de concombre et
un peu de pousse de soja. Donc maintenant, on va enrouler le tout. On serre bien. Voilà, une fois qu'on a déjà fait un tour complet, on va rabattre les côtés. Puis on va mettre la crevette coupée en deux. Et on continue. Voilà. Donc je remonte une deuxième fois. Une feuille de batavia. Un peu de poulet. Donc là, avec la préparation, donc je vous remettrai les ingrédients. Enfin, je vais vous les dire directement, mais je les mettrai donc dans la barre d'infos. Donc c'est 8 galettes de riz. 8 feuilles de batavia, donc une carotte râpée, un demi-concombre, donc après on met en bâton, 100 g de pousse de soja, 150 g de vermicelle de riz, donc un poulet, une escalope de poulet et 8 crevettes. Donc les ingrédients seront donc remis comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc on continue la recette. Donc on met quelques carottes. Quelques concombres. Donc on peut changer hein, bien sûr la façon de mettre les ingrédients. Voilà. Et quelques pousses. Donc là, pour plier, on rabat donc la galette de riz. On presse bien le tout. Quand on a fait un tour, on rabat les côtés de la galette. Et on y met la crevette, enfin, les deux morceaux de crevette, puis on enroule jusqu'au bout. Voilà, donc je continue jusqu'à avoir fini mes 8 rouleaux de printemps et je reviens. Dans les deux précédentes, j'ai oublié, mais on peut mettre une feuille de menthe. Enfin, une à deux feuilles de menthe. Donc, je refais une troisième, donc.
On met d'abord la crevette pour l'avoir. Et ensuite, on met les feuilles de menthe. Donc voici avec avec deux feuilles de menthe. Tout à l'heure. Donc voilà, les rouleaux de printemps sont terminés. Donc pour les conserver, soit vous les mettez dans du film alimentaire, donc individuellement, ou sinon vous les mettez dans un plat recouvert d'un torchon humide. Voilà, je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt. Cause I